Salut à tous, alors voilà, on se prépare pour la VAD. Il y a pas mal de monde qui sont venus à la maison ce soir et puis on part demain matin, donc vendredi matin, sur les coups de 10h. Voilà, donc là on va faire une petite vidéo pour vous faire voir la soirée là. Et puis après on se retrouve demain pour le départ. Voilà, donc on avait Corinne et Fabrice avec leur bus avec le SAI qui était là la fois dernière. Vous voyez, ils sont en train de faire des gaufres. Ensuite, on a la Belge là avec. Bah mince, j'ai oublié son prénom. Comment il s'appelle? Regardez ça. Non, c'est bon, j'ai mangé du quinoa. Bon appétit. Merci. Voilà, du coup, j'ai. Eric et Sylvie, voyons, Eric et Sylvie. Ensuite, là, on a l'Iliade, bah, qui est toujours pas en fonction. Hein. Là, on a des bandits. Alors, me demandez pas leur prénom, je sais pas. Ils étaient l'année dernière, je m'en souviens, ils nous avaient offert plein de trucs. Et confiture, tout ça. Et Mika des routes. Voilà. Voilà, ils sont en train de papoter. Franchement, ils ont vraiment des choses pas intéressantes à dire. Et puis là, on est en train de se faire un petit feu de camp. Regardez. Faire du bien. Hein. Voilà. Petite soirée tranquille entre bandits. Et on se retrouve demain matin pour le départ. Sinon, qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui? T'as rien fait aujourd'hui, toi? Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, j'ai rien fait. Moi, j'ai vu, hein. Je me suis mis dans ta peau et j'ai vu ce que ça faisait. Bah, ça fait bien chier, tiens. Salut à tous, un petit peu les yeux qui piquent ce matin. T'es couché à quelle heure toi? Oh, je sais pas, il était quelle heure? 23h minuit. Ouais, putain, nous on s'est couché à 2h je crois. Ah ouais, non. Et après j'ai fait des trucs sur le PC, il était 3h je crois, je me suis couché. Et là il est 8h. Donc on a bougé ce qu'il fallait pour sortir la caravane. Puis là je sais pas si j'ai envie de faire le con à réveiller tout le monde, je sais pas. Ouais. Hein, c'est une bonne idée. C'est ça. Une bonne idée. Hein. Ouais. Taper sur les carcasses. Il y a Mika des routes là, il est assez stabilo, j'ai envie de lui enlever. J'ai envie d'en enlever qu'un seul. Pour les emmerder. Hein, ouais, c'est bon ça. Et puis je vais faire un petit peu de didgeridoo là, ils sont sortis là-bas. On va voir ce que ça va donner. Thank you.
Ça y est, le convoi démarre. C'est parti, on va essayer de faire un petit plan drone. Regardez, il y a des camions qui s'arrêtent et tout, ils font bouchon, des fans, des bandits. Salut. Salut, ça va? Bah, je tape la bise. Ouais. Je tape la bise. Tu mets du bras gauche. Tu t'appelles qui? Moi, c'est Ludo. Ludo. Elle est pas belle, la vie? Hein? C'est qui nous klaxonne comme ça? Bah ouais, c'est ça. Un bandit. Bon, Ludo, t'as remarqué quand même que comme ils ont pas fini, le sale bus, il est là-bas quand même. Ouais, t'as vu, hey, c'est hein, quoi, tu sais comment j'ai repéré ton espace blanc? Ah merde. On va jamais y arriver à la vade, on s'est arrêté, ils sont tous partis faire des courses, là on repart. On va dire au revoir aux fans qui s'arrêtaient là, regardez avec son camion. Il retourne à Valenciennes dans le nord. Fais gaffe, tu vas te faire écraser. Non, c'est bon, je suis passage clouté. De toute façon, je suis une star, alors on fait attention à moi. Voilà, allez, on est parti. Allez, Ludo, là, c'est parti. Bon, Ludo, merci d'être passé, mais là, faut qu'on y aille. Hein. Bah, je vais vous laisser partir, allez-y. Allez, bye bye. Allez-y. À la prochaine, ouais. Entre midi. Bon, plaisir. Allez, ça nous a fait plaisir de te voir. Hein. Vous pensez pas, c'est moi, pas non plus. Franchement, c'est vraiment, tu vois, c'est comme ça, on attire les gens qui veulent nous voir. C'est ça qui est. Avec un truc comme ça, tu peux qu'attirer. C'est l'amour. C'est l'amour. Je vais regarder. Allez, je vais regarder. Bye bye. Allez, on reprend la route, on va jamais y arriver. C'est un truc de dingue. On s'est paumé sur la route, du coup on a abandonné le bus et tout. C'est bon, ça y va. Il va gueuler, Fabrice, il va gueuler. Alors là, regarde. Le coup de suivre, plus jamais. Les petits villages à deux balles là. Là, il fallait continuer tout droit le long de la Loire. Ouais, bah t'expliqueras ça à ceux qui étaient devant. Si vous ne trouvez pas la route, vous suivez la pancarte.
Il est pourri ton klaxon. Ouais, c'est clair. Il faut que j'achète une sirène. Yes, la rat follower. 370 bords. C'est rien, on a un Corse qui est là. Il vous a tous battu. Ah bah ouais, c'est clair. Ça va ? Bonjour. Ça va ? Ouais. Mais nous, il a trop peur là. Eh, tiens, piloute. Ah, avec le... Bah, avec le... Avec le... Voilà. Quand vous venez à la VAD Follower, c'est impossible de passer à l'AS. Je peux dire que là, on a une secrétaire dirigeante d'exploitation trésorière. Regardez, même petit tampon pour vous dire que vous avez bien payé. Donc là, on rigole pas. Attention, c'est du sérieux. Et on prend pas de phobie, hein? Ok? Ouais, ça tu me le donnes par contre. Et ben voilà, ça y est, on commence déjà à être gâtés de partout. Vous vous rendez compte? On se fait arracher et puis là on nous offre plein de cadeaux. Et de très jolis cadeaux, fais voir Charlotte. C'est magnifique. On nous a fait une carafe avec des verres. Avec 6 verres. Personnalisés entièrement. Ils sont gravés avec nos prénoms et tout quoi. Regardez-moi, Théo il est sur une moto. Moi, je suis avec le bouclier de Captain America. On vous fera voir ça dans une autre vidéo quand ça sera bien déballé, mais c'est super chouette. C'est top. Et c'est vous qui faites ça, c'est ça? Et oui, voilà, c'est fait à la main. Qui est-ce qui les fait? Nous trois. Vous trois? Manon a choisi les dessins. Et vous les revendez en c'est juste pour le plaisir? On commence, oui, vous commencez tout doucement. Voilà. On vendrait tout. Ben c'est cool ça. Petit commerce. L'atelier, c'est comment? Gulliver. C'est Gulliver. Gulliver. Vous avez une page Facebook, un site oui, internet. Une page Facebook. G-U-L-I. Et vert comme un verre à boire. C'est trop bien. C'est ça. C'est avec une machine et tout, c'est ça? Oui, c'est ça. On fait les dessins et puis après on grave à la main. Ah, vous gravez à la main? Ouais. Wow, ça a pris combien de temps? 5-6 heures. Ah ouais, donc c'est vraiment... Ah oui, je pensais que genre c'était dans une machine et puis qu'elle gravait tout toute seule. Non. Ah ouais, donc c'est du boulot. C'est ça, ouais, c'est un sacré boulot. Là, c'est chouette. Hein? Bah merci bien, en plus nous on n'est pas la plus petite famille. Hein. Ça suffit, hein. Un verre par jour. Ouais, c'est clair. Elle panache, là. Ça panache au fait. Tiens, moi je boirais même une petite bière, moi. Le Gaulois et ses mobilettes. Non, on m'a dit pas d'alcool. Elle a pas fait. Oui, il est juste en panne d'essence. Non, c'était pas magnifique, c'était des oh, voilà. C'est la valise. Mika, t'es rembauché. Ça vous dérange pas d'être sur YouTube? Non? Regardez ces bandits là. Quand je vous dis qu'on est une sacrée bande. Mais je suis même pas coiffée. C'est pas grave. Moi non plus. En plus, je me suis esquinté le crâne. Ils arrivent de Nancy. Enfin, le fils, il est dans les Pyrénées. Il est arrivé. Ils ont pris train, bateau, avion, yacht et tout. Non, ils ont pris train, bus, route, pied. Avec leur petite charrette. Ça, c'est des vrais nomades. Regardez, ils partent en vacances comme ça. Ils ont été super loin déjà. Ils ont fait la Corse, ils ont fait les pays du Nord, c'est ça? Hein? Et tout ça avec des tentes et tout, vraiment à l'ancienne en fait, à la vraie dure, hein. La vraie vie quoi. Donc c'est cool, ils vont monter leur petite tente et voilà. Et demain c'est le gros de la soirée quoi, le gros de la journée. Vous voyez, tout le monde qui a. C'est blindé hein. Moi les gens ils m'étonnent, j'adore voir cette folie dans les gens quoi en fait. C'est dingue, je trouve ça c'est génial. Thank you.
Regardez, les bandits sont partout. Bandits. Les petits bandits, les grands bandits. Ouais, c'est bon, nickel. C'est prêt à partir. Regardez, les bandits, il y en a encore ici. Partout. Encore un bandit ici. C'est tout frais, ça, c'est tout neuf. Il a le pull bandit, vas-y, tourne-toi. Ouais, la classe. Ça va? Ah, ça y est, c'est parti! Eh ouais, il nous a oublié! Et comment on fait maintenant? Hein? Comment on fait maintenant? Bah, c'est pas grave, Jérémy va nous prendre sa mob! Hein. Thank you.
Tiens. Fais-moi le malin là. C'était quoi l'autre fois du coup? Bah, elle avait fait un pré-serrage. Ah, je crois qu'il avait serré en fait l'autre fois. Bah oui, il avait fait un pré-serrage. Ouais. Ah, à mon avis, c'est baisé, hein. Alors on est devant tous ces témoins. Voilà, nous avons tous décidé de comme un accord qu'il lui restait 15 jours pour faire son défi. Il se débrouille, mais dans 15 jours, il faut qu'il fasse son défi. Voilà. Ok ? T'as plus le choix ? Non, 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 t'as tout le monde. Hey, t'as tout le monde derrière toi, là. Ouais. Rigole, quoi, rigole. Ah, bah, tu m'as fait ça, ça veut dire que c'est 15 jours. Voilà. À dans 15 jours, Loïc. Thank you.
Voyager, mais la racine ne reste.
Bon, et bien voilà, nous sommes dimanche et la vanne se termine tranquillement. Il est quoi? Il est midi, là, on va tous manger tranquille. Il y a encore un peu de monde, hein. Et après, on s'en va. La vanne se termine, les amis, la vanne se termine, on va bientôt y aller. Ah ouais, bah, la nuit, ça me chauffe. Ça va être un week-end riche en émotions, riche en rencontres, riche en plein de choses. Et voilà, il y en a qui sont tenus prisonniers, ils ont crevé. Je vais aller vous faire voir ça. C'est malin, ça. Bravo, hein. Bravo. Ça marche. Je vais chercher un... Petite crevaison, du coup, ils sont venus le dépanner. Bon, ça arrive, hein. Ça arrive, les crevaisons. Alors, il y a route secours, c'est déjà ça. Bon, à mon avis, à la vitesse où il s'est dégonflé, là, c'est crevé. Crevaison lente. Voilà. Bon, bah, c'est bien, route secours. Ils vont réparer tout ça, puis ils vont repartir. Hein. Les câbles. Ah, ça bricole avant de partir. Bah, ouais, crevaison. C'est con, hein. Bah non, c'est pas con, vaut mieux que ça soit maintenant. Ah bah ouais, c'est clair. Que dans une demi-heure, quoi. Et puis t'éclates ta pneu sur un camping-car, tu pètes tout. Hein. En fait, la balle, elle est tellement géniale. Il avait pas envie de partir. C'est le camion, même. C'est lui qui... Vous voyez, c'est ça, la vanne des imprévus. Voilà. Sur ce, on vous laisse. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Amusez-vous. Et vivez vos rêves.